Us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui eh bien, pour la suite de mon let's play sur Dragon Ball Z Extreme Butoden. Donc, je vous avais demandé de me filer un petit coup de main pour savoir si ça vous intéressait ou pas. Je vous avais demandé juste 300 likes. En même pas une demi-heure, on les a eus. Donc, vous êtes vraiment énorme. Merci, merci beaucoup. Sachant que, bon, j'aime pas trop vous demander ce genre de truc. Là, c'était vraiment pour me guider, pour savoir si ça vous intéressait ou pas, s'il fallait que je continue ou pas. Donc, merci, merci de m'avoir guidé. Et puis, du coup, on va continuer ce let's play ensemble. Donc, on va continuer ça. Bon, le mode scénario pour le moment a l'air assez court, hein. Ça, on a pu voir la dernière fois, ça se passait assez vite. J'ose espérer, quelque chose me dit, parce que quand on rentre dans le mode scénar, on passe par deux menus, vous voyez, on rentre dans le mode scénar et hop, on arrive tout de suite à ce menu. Je me dis en fait qu'il y a peut-être quelque chose là-dessus. Il y aura peut-être plusieurs types de scénar, par exemple. Parce que c'est vrai que ça avance assez vite, on survole le jeu, quand on voit direct qu'on est déjà à Freezer. Et en plus, quand on regarde là, il y a marqué 5 sur 10. Ça veut dire qu'en fait, il nous reste genre 5 quêtes là. 5 quêtes et c'est fini. J'ose espérer que le mode scénario tient pas sur 10 quêtes. Parce que sinon, c'est vraiment hyper light. Même s'il y a d'autres modes de jeu, j'espère quand même qu'il y aura quelque chose à se mettre sous la dent. Et puis peut-être une un peu plus grande difficulté. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que à chaque fin d'épisode, je vous donnerai un petit peu mon avis à chaud sur le jeu. Et puis quand on aura fait le tour, je vous dirai vraiment ce que j'ai pensé du jeu, si ça vous intéresse. Et puis on fera sans doute des petites présentations personnages, voilà. Bon, moins de blabla, plus d'action. On va enchaîner avec ce combat contre Freezer. Bon, j'espère qu'on va pas tout de suite passer un genre Goku Super Saiyan Freezer, qu'on va quand même se faire, un ou deux combats quand même. Par exemple, j'aimerais bien voir un Freezer puissance max peut-être. On va bien voir. Bon, là je suppose qu'il nous explique un peu tout ce qui s'est passé avec Vegeta et tout. Bon, premier match, Goku Freezer, c'est parti. Donc depuis la dernière fois, j'ai rien fait du tout en fait, hein. Donc, je ne suis pas entraîné non plus. J'aime bien quand même le gameplay, c'est assez dynamique. Putain, il a une vraie garde en fer lui. Hein. Et on peut voir la barre verte en fait sous le personnage. C'est sa garde en fait. Ouf. On va essayer de lui faire un Kamehameha. Hop, on l'a déchiré. Bon, la difficulté semble vraiment hyper légère. J'espère que ça va monter en difficulté ou sinon que je vais essayer de fouiner dans les menus s'il n'y a pas moyen de monter la difficulté. Si jamais d'ailleurs vous le savez, hein, que vous avez le jeu et que vous savez où il faut aller pour monter la difficulté, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que là je trouve vraiment le jeu par contre, on dirait une absence totale de difficulté. C'est con parce que les combats sont hyper intéressants, mais pour le coup, trop rapides en fait. Beaucoup trop rapides. On prend son pied. Franchement, je prends assez mon pied à le jouer. J'aime bien le gameplay, c'est assez plaisant. Donc, du coup, on passe directement Freezer. On voit que c'est détruit derrière. Donc ça doit être après le Genki-Dama. Je suppose que ça va être Goku quand il passe en Super Saiyan. Ouais, c'est quoi, ça va être à la mort de Krillin. Ouais. Goku. Ah, ils auraient pu nous faire une petite cinématique quand même pour la transformation Super Saiyan. Hein. Alors, j'en demande peut-être un peu trop. Bon, Goku Super Saiyan, du coup, c'est carrément un autre perso. Il ressemble plus au Goku Super Saiyan quand il affronte Cell, hein, avec le sourire, les yeux comme ça. Ah, moi je voudrais un super Goku en mode badass, le torse nu quoi. Donc, qu'est-ce qu'il veut ce Goku Super Saiyan? Ça a l'air d'être à peu près les mêmes enchaînements. Ah, il a déjà plus de vie Freezer, c'est ça qui est un peu décevant. Il y a des combats, on n'a pas le temps de profiter. Oh putain. Je voulais essayer de lui sortir une technique, je suis pas arrivé, du coup je l'ai défoncé.
Bon, est-ce qu'on va faire un Goku Freezer puissance max? Ah, peut-être. Ah bah visiblement non. Ok. Déjà 8ème quête, c'est-à-dire qu'il n'en reste que 2. Ah, ça va peut-être s'arrêter à la fin du... Fin Saga Cell, peut-être. Donc, du coup, on attaque direct avec C18. En ce moment, les jeux Dragon Ball, hein, tous les arcs, genre Dodoria, Zabon, tout ça, ça passe à la trappe. C18, C19, ça passe à la trappe aussi. Bon, c'est vrai que c'est des persos un peu secondaires, mais bon, ça fait partie du background. On les a pas vus dans Xenoverse. Je vois que même sur console portable, on les voit pas. Ouais, ils ont vraiment fait au plus court, là. Un peu dommage, mais bon. Ah, on va peut-être affronter les trois, du coup, ce serait cool. C'est 16, c'est 17, c'est 18. Bon, Vegeta en Super Saiyan, là, j'ai hâte de tester ça. Oh, cool, on a Vegeta Super Saiyan et Trunks Super Saiyan contre C18. Bah, j'espère qu'elle va envoyer le pâté parce que là, ça va chier. Hein. Elle réagit bien en face. Ah, enfin un combat. Peut-être ça monte intéressant. Là. Ah, la map elle est bien là, elle est un peu en profondeur. Oh là là, Vegeta. Voir ce que j'ai comme tactique. Oh, pas mal ça. Big Bang, attaque, tiens. Bon, on va essayer de tester Trunks quand même. Oh, terrible, les coups d'épée. Ah, elle a déjà plus de vie. Ah, j'adore les animes de Trunks, il est trop classe. Attends, je veux pas te tuer tout de suite, laisse-moi au moins tester un peu le perso. Laisse-moi te faire une technique. Tiens. Ah, Trunks, il est trop classe. Ah, je kiffe. Ah, peut-être affronter ces 17 maintenant. Ah, ça nous raconte le passage Krilin avec le petit bisou. On a entendu le plus petit bruit du bisou. Ah, d'accord, on passe direct à Cell. Direct. Ah ouais, on a même pas Piccolo C17. Ok. Ah ouais, c'est bien 10. Ah, j'ai peur pour le dernier. Du coup, ça devrait... Ouais, je pense que ça va se finir sur Cell Parfait, je pense. Ça va se finir sur Cell Parfait, ouais, je pense. Du coup, là, ça va être sans doute Goku Cell. Et après, Gohan Cell Parfait. Ah, il survole vraiment, hein, c'est impressionnant. Un peu déçu de ce côté-là, mais bon. Parce que bon, ils ont quand même fait, je crois, c'est 24 ou 25 personnages jouables. Je m'attendais quand même à peut-être un scénar un peu plus développé que ça. Allez, c'est parti. Ah non, putain, Gohan direct Super Saiyan J2 contre Cell. Ok, y a même pas Goku Cell, c'est fou. Bon bah du coup on va tester Gohan. Ah, il est stylé Gohan comme ça quand même. Mazenko! Oh, il fait mal le Mazenko. Oh, il réagit un petit peu en face, le sel. Il m'enchaîne là. Oh putain! Oh ouais, stylé! Putain, enfin un combat qui envoie le pâté là. Oh
Putain, je vais peut-être même perdre. Allez, allez. Ah putain, il m'a battu, première défaite. Enfin un combat. Enfin un vrai combat dans ce jeu. Lose. Ah bah j'ai intérêt à être... Game over, yeah. Bon bah j'ai intérêt à être réactif là, hein, pour le coup. Allez, c'est parti. Oh putain, il m'enchaîne. J'ai pas dit mon dernier mot, celle. Tiens. Enfin un combat qui me permet de voir un peu ce que vaut le jeu là. Hop là, Kamehameha là. Oh, tellement classe. Je pense que si on charge sa barre à 200% là, quand il y a la petite flamme, il y a moyen de faire des... Parce que j'ai vu qu'il y avait des ultis, mais il y a peut-être moyen de faire des ultis améliorés. Du coup, ça doit bien être stylé de voir ça. J'essaierai d'en sortir, on verra bien. Bon, du coup, on a battu Cell. Est-ce que du coup, on va faire un deuxième combat contre lui en mode parfait, peut-être? Ouais, vous nous expliquez quand Goku se sacrifie. Est-ce qu'on va avoir la tronche de K.O. tiens? je me demande si on va avoir sa tête. Non. Dommage. J'aime bien la tête que fait K.O. quand Goku lui ramène Cell sur sa planète. Ah oui, mais je savais pas où l'emmener. K.O. l'est dégoûté. Oh putain, on passe direct à le dixième combat. Non, c'est super Boo quoi. Enfin, c'est Kid Boo même. Kid Boo. Oh là, le bon dans le temps. Ah, on a même pas de combat contre le gros Majin ou... Ou Super Boo ou quoi? Oh là là, grosse déception là. Putain, je comprends pas qu'ils aient fait ça et pourtant y a Gotenks et tout dans le jeu. Ah, on passe direct comme ça, bim, Boo. Putain, j'espère que les autres modes de jeu, enfin, y aura de quoi se mettre quelque chose sous la dent. Hein. Et ou qu'il y a d'autres morceaux peut-être de story mode, parce que là ça me choque quoi, on passe direct à Kid Boo. Ah, y'a Goku Saiyajin 3 de dessiné dans la petite miniature là. Est-ce qu'on va pouvoir jouer Goku Saiyajin 3? Ça, ce serait pas mal, par contre. Je comprends pas trop, là. Ah, bah, c'est quand il repasse en Super Saiyajin, d'accord. Bon, on peut pas de Goku Super Saiyajin 3, alors. Dommage. Pourtant, je crois que j'avais lu quelque part qu'on pouvait avoir la transformation, j'en suis pas sûr de ça. Goku Saiyajin 3. Ok, donc Goku et Vegeta en Super Saiyajin contre Kid Buu. Eh ben on va voir ça. Ah, la musique est sympa. Est-ce que je peux changer dans plein de trucs? Ouais. Un Vegeta quoi. Il a déjà plus de vie. Bon ben voilà. Perfect. Il peut se marrer Vegeta. Ah, ça tend. Ah, je pense qu'il nous raconte carrément le final, hein, avec le Genki-Dama et tout. Ouais. Il s'attend qu'il demande l'énergie au terrien. Ouais, c'est actuellement le dernier épisode de Kai d'ailleurs. Ouais, on va pas tarder à pouvoir voir la suite de ça. Et le Genki-Dama
J'espère que tu te réincarneras en quelqu'un de bien. Est-ce qu'on verra Oub? Ah, le tournoi des arts martiaux, on peut toujours rêver. Ah non, c'est fini. Ok, on a débloqué une récompense. On a débloqué plein de trucs, ok. Bon, et ben ce premier mode story là, il est fini. Alors j'espère qu'il y a d'autres trucs. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ok, on a 10 avec lui, 10 avec lui, 10 avec lui, 10 avec lui. Ok, il y a quand même d'autres trucs à faire. Je suis content. Parce que là, c'était vraiment super light. Du coup, je pense on va se faire. On va commencer, tiens, un peu l'arc Goku. On va se le faire. On va pas rester sur cette mauvaise note là. Parce que c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin, ce story mode. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouvais ça super court. Et puis, ils nous ont sauté plein de combats. Donc, j'espère qu'on va les rattraper avec ces autres petits modes story. Parce que ça fait vraiment léger. Du coup, on va commencer avec Goku. Ok, donc on recommence le combat Raditz. Ouais, j'espère que la difficulté sera présente. Ah, par contre, on va se retaper le même dialogue. Je pense que je vais vous le faire passer à la va-vite, par contre, ça. Oh, il y a Gohan petit, là, tout petit. Ça, c'est cool. Alors, Z-Assist, donc c'est une assist. Ok, on va tester ça. On va tester ça. Ça, c'est cool, ça. Ah, d'accord, il arrive, il met un coup de tête. Excellent. Je vais prendre Piccolo, moi. Après. Tiens, viens là. Oh, Piccolo, le gameplay, il a l'air tellement agressif. Oh, je kiffe. Tiens, Raditz. Tiens. Oh, Piccolo, il a l'air violent. Hein. Il a l'air vraiment violent. Ah, par contre, on se retape le même truc qu'on avait vu la dernière fois. Bon, je vous le fais passer un peu plus vite, par contre. Hein. Parce que c'est exactement ce qu'on a vu. Ah, par contre, il parle. On voit Tortue Géniale et Krillin qui parle. Et Bulma qui parle. Pas. Ouais, donc on refait la. J'ai l'impression qu'on refait la même série de combats, mais qu'avec Goku, quoi, du coup. On refait tous les combats. En fait, j'ai l'impression que le premier story mode, c'était tous les combats un petit peu avec n'importe quel perso, une petite mise en bouche. Et là, on refait les mêmes combats, mais qu'avec le personnage en question. J'ai l'impression que ça va être comme ça. Ok, il arrête pas de me faire des coups bas là. Tu vas voir, toi. Ah putain, Cyber Man. Ah là là. Ça fait trop mal, ça. Ah, il m'a quand même attrapé, la saleté. Là, ils ont l'air un peu plus réactifs quand même. Il met bien sa garde et tout. Heureusement, j'ai esquivé Cyber Man. Ah, on peut charger un maximum. Putain, je vais essayer de faire un ulti là. Ah non, il avait plus de vie. Ah, j'aurais bien aimé voir ce que ça faisait à 200%. Ah, j'ai l'impression que l'IA est un peu plus réactif là, dans cette deuxième partie. C'est cool. Ah, du coup, c'est quand Vegeta, il tue Nappa. J'avais trop kiffé cette scène à l'époque. Quand Vegeta lui dit, oh, j'ai pas besoin d'un Saiyan inutile. D'un faible, il l'attrape, il le jette. Il fait exploser. C'est là qu'on voyait que le perso, il était vraiment badass, quoi. Il a quand même bien changé depuis.
Ready, fight! J'aime bien les enchaînements de Goku là, ils sont assez rapides et il est pas mal comme perso. Oula! Poste technique. Et il me nargue en plus. Je les sens un peu plus réactifs là, l'IA pour le coup. C'est pas non plus exceptionnel, mais. Allez, allez. Mais ils ont pas assez de vie, hein. Clairement pas assez de vie. Faudrait qu'il y ait plusieurs parts de vie, genre 2-3, qu'on puisse avoir le temps de sortir des techniques. Là, on n'a pas le temps, on met deux coups de poing et la vie du perso en face s'en va. C'est un peu dommage. Donc ça, je vous le passe un peu à la va-vite, hein. Par contre, je me demande s'il va y avoir des petites modifs sur les persos qu'on doit affronter, parce que je suis en train de me dire, Goku il a jamais affronté ses 18 en fait. Du coup, est-ce que sur les 10 combats ça va être tout le temps les 10 mêmes personnages qu'on affronte? Parce que là pour le coup, ben c'est carrément les mêmes, hein. C'est les mêmes. Pour le moment il n'y a pas grand chose qui va changer, mais je pense qu'après il va y avoir peut-être avoir quelques changements, parce que je me vois pas, Goku il s'affronte pas lui-même quand Ginyu a échangé justement, donc on va pouvoir voir ça après. Est-ce qu'il va y avoir des petites modifs du coup dans les combats? Hop là, on charge notre ki. Ah dommage, là je pouvais lui sortir l'ulti, mais il s'est fait déchirer. Alors prochain combat, c'est la surprise. Est-ce que, contre qui on va se battre? On va se battre contre Jace. Ouais, parce que là c'est au moment de l'échange de corps, blablabla. On a déjà vu ça. Du coup quand même le mode story avec les autres persos, je suis en train de me dire il est forcément différent, puisque Piccolo il ne vit pas ça. J'aurais peut-être pas dû prendre Goku pour commencer ce truc-là, on aurait pu voir plus les différences avec les autres. Qui c'est qu'on affronte, là? On affronte Goku. Ah, ils sont vraiment pas fait chier, ils ont remis les mêmes combats, quoi. Ils ont remis les mêmes combats, mais alors, est-ce que du coup, on... Non, on fait Krillin. On refait Goku. Qui c'est qu'on va jouer, là? Ah, on fait Ginyu, du coup, d'accord. On fait Ginyu. Ok, bon, c'est une bonne surprise, ça. Alors, qu'est-ce qu'il vaut, Ginyu? Oh, j'aime bien cet enchaînement. Putain, il réagit bien, là, Goku, en face. Ah, j'ai pu faire l'ulti. Qu'est-ce que ça va être du coup? Je me demandais si j'allais changer de corps, ça aurait été con. Ils ne sont pas embêtés, ils ont fait plein de boules d'énergie. Est-ce qu'il va contrer Goku? Non. Il va se faire déchirer. Cet ulti, il est vraiment moche. Ah, il est vraiment pas terrible l'ulti de Ginyu. C'est une petite bouboule là. Du coup pour le moment ça change pas du tout du mode story principal qu'on a vu.
C'est exactement les mêmes combats. Ah, sauf que là, on passe direct à Freezer. On n'a pas la même image que tout à l'heure. On voit pas le Freezer mode normal, j'ai l'impression. On va peut-être direct passer en Super Saiyajin, je sais pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. La mort de Krillin. Donc il y a des petites différences là. Il va y avoir quelque chose de différent après, je pense. Du coup. Ah là, on voit plus. J'aurais peut-être pas dû passer si vite. La cinématique était pas tout à fait pareille. Il a plus beaucoup se transformer là. Ah, il est classe quand même. Super Saiyan. Mais par contre, ses enchaînements sont exactement les mêmes. Oh là là. Téléportation et tout. Les combos corps à corps en Super Saiyan, ils ont l'air un peu plus dynamiques. Hop. Qu'est-ce que c'est la technique là? Oh yeah. Oh oh oh, oh Super Saiyajin 3. Oh la vache. Contre Freezer. Tiens Freezer, tu m'as tellement fait péter les câbles que je passe en Super Saiyajin 3. Vous imaginez si c'était comme ça dans le manga? Ah, je m'y attendais pas à ça. Ah, c'est terrible. Ah, magnifique. Ah, on l'a déchiré, quoi. Bon, c'est quand même cool qu'ils aient pris la peine au moins de faire au moins un ulti en Super Saiyajin 3. J'ai bien kiffé. Ça m'a trop fait rire. Contre Freezer, en plus. Il n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait, le pauvre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous trouvez que je passe trop vite, si ça vous dérange que je passe vite les petites phases. C'est que là, je me dis, on l'a déjà vu dans le premier épisode. Je vais pas vous faire mater exactement les dialogues pendant 40 ans, les mêmes dialogues, quoi. Je voulais dire, je vais pas vous accabler de ça une nouvelle fois, voilà. Du coup, on va se battre contre ces 18. Ça, par contre, je trouve ça un peu débile, puisque Goku, il affronte jamais ces 18 dans l'anime. Donc, est-ce qu'on va jouer Goku ou est-ce qu'on va faire quelqu'un d'autre? Ah, on fait Goku, Super Saiyan, d'accord, contre C18. Combat qui n'existe pas, mais c'est pas grave. Je commence à comprendre un peu mieux les combos, là. Hop là, d'accord. Ah, si on est réactif, il y a moyen de faire des putains de combos de fou là, c'est impressionnant. Mais vraiment, la difficulté, il manque quelque chose là, hein, quand même. Du coup, prochain combat, ça va être Cell, je pense. Ouais. Mais du coup, il y a quand même un combat différent. Je pense que le dernier combat sera peut-être pas pareil. Il y a quelque chose qui a changé. Puisque normalement, on avait deux combats contre Freezer. Là, on en a eu qu'un. Donc, il y a quand même une légère petite différence. Mais c'est pas non plus énormissime. Du coup, Goku Cell. Ah non. Ah non, on est au paradis, d'accord. Donc, ça nous a directement raconté son sacrifice. Mais moi qui voulais voir la tête de Kaio. Ah non, c'est Kaio qui parlait, d'accord. Je comprends pas trop ce qui se passe. Ah donc okay, c'est. On a Goku Gohan contre Cell. D'accord. Cell tout à l'heure qui m'avait mis en difficulté. Oh ouais, stylé. Ça c'est quand il y a un contre, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression qu'avec la touche X, si je tape au bon moment, on peut contrer. Beaucoup moins actif là pour le coup, Cell. Je m'attendais à mieux. Je suis déçu. Pour la peine, je vais te détruire. Ah non, mince, je me suis fourré. Tiens, hop. Est-ce que je vais passer en Super Saiyan 3? Voici ma formule team, Cell.
trop stylé. Ah, l'ulti par contre, il est vraiment tellement, tellement fat. On refait l'histoire de Dragon Ball, voilà. Allez, disparaissez. Du coup, je me demande le prochain combat, comment ça va être? On a vu Gohan en mode normal, tout content. Ah, d'accord, c'est contre Vegeta en mode Super Saiyan. Ok, ça doit être pour... Bon, ils ont pas pris la peine de faire Majin Vegeta. Ok, c'est pendant le tournoi. D'accord, ils nous ont mis ce combat-là. Ah si, il y a Majin Vegeta. Est-ce qu'il va être comme ça? Ils ont pris la peine de le dessiner, mais est-ce qu'il va être comme ça? Est-ce qu'on a un Majin Vegeta? Oh, je serais tellement content. Oh, il est tellement classe. Ah, la déception, et il dessine et tout, et non, il a son skin en armure. Combat au sommet, là. Ouh, il a l'air réactif en plus. Moi aussi, je vais charger mon ki. Des fois, ils ont l'air réactifs, et là, ils se posent, ils me regardent de charger mon ki. Par contre, il a une garde en acier, le mec. Alors Vegeta, qu'est-ce que tu fais? Je vais te montrer ma forme ultime, Vegeta. Je m'en lasserai pas, je crois, de cette ulti. Ah là, je kiffe. Est-ce qu'il va prendre la peine de le contrer ou est-ce qu'il est tellement désespéré qu'il va se le manger? Bah non, il va se le manger. Je sais pas ce qu'il faut exactement pour pouvoir contrer en fait, si c'est dû au ki. Vu que les ennemis me mettent pas d'ulti pour le moment, je peux pas trop encore savoir comment ça marche. Faut vraiment que je trouve un moyen de monter la difficulté du jeu, hein, parce que... On leur roule dessus là. Je vais passer un peu moins vite quand même là, je vais vous laisser profiter des images. Je suppose qu'il lui dit qu'il a senti le ki debout, et c'est quand Vegeta l'assomme, ouais. Ah, ça manque quand même cruellement, hein, surtout c'est frustrant de croiser ces... On voit qu'on nous en parle de ces combats là, comme Majin Vegeta contre le gros Boubou. C'est un peu frustrant de pas les faire. À mon avis, faut pas compter dessus. Et du coup, on finit encore une fois avec ce dernier combat. Ouh! Est-ce qu'on va faire un Goku Super Saiyajin 3? Oh, pour rêver. Oh, il est tellement beau. Oh, le dessin est magnifique. Non. C'est de la torture, quoi. Ils prennent le temps de le dessiner, de le montrer, mais on va pas le jouer. Ah, je suis tellement déçu. Ils sont pas gentils, quand même. Hein. Ils ont dessiné les persos, mais on peut pas les jouer. Et du coup, on finit sur ce combat une nouvelle fois. Je le déchire. Ah yes, la téléportation. Et voilà, il n'y a plus de boubou.
Ouais, c'est la préparation du Genkidama encore une fois. Je suis curieux de voir quand même le mode story avec les autres persos, qu'est-ce que ça va donner, puisque bon, des persos comme Gohan, tout ça, ils sont pas présents dans ce genre d'event. Du coup, je me demande comment ça va être. Ça peut quand même être intéressant, parce que là, du coup, pour le story mode de Goku, bah, c'était exactement quasiment le même que le principal, on va dire. Du coup, je pense que la prochaine fois, eh bien, on se fera... Je sais pas si on fera Krillin, on fera peut-être Gohan la prochaine fois. Vous aurez qu'à me dire ce que vous préférez, si vous voulez que je fasse Krillin, Gohan, Piccolo ou Vegeta. On fera peut-être Gohan. Mais sur ce, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura diverti. Moi, à chaud, là, bon, je trouve le story mode forcément léger. Il y a beaucoup de combats épiques qui sont passés à la trappe. C'est un peu dommage. Hein. On voit que le jeu, il y a du potentiel, mais on voit que c'est un jeu qui a été fait rapidement quand même. Ça se voit. On verra quand on aura fait le tour un peu de tout, mais pour le moment, c'est un peu le ressenti que j'en ai. Et surtout, un manque de difficulté. Il y a vraiment une absence de difficulté un peu gênante, puisque c'est dommage. On sent qu'il y a du potentiel dans les combos, tout ça. On sent qu'il y a des enchaînements, mais bon, pour le moment, la difficulté est un peu absente, donc on verra en avançant plus loin dans le jeu si ça se débloque ou pas. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Si ça vous a plu, ça vous a diverti, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, n'hésitez pas à me poser à vos questions et à faire vos requêtes s'il y a des choses spéciales que vous voulez voir sur le jeu, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon jeu. Tchuss !